Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masureux, des taudis insolites, des ruines parvenant pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. Vous venez souvent au café? Ça fait quelques fois, c'est à peu près ma troisième, quatrième fois. Oui. Est-ce que vous connaissez la chanteuse aujourd'hui? Oui, c'est ma voisine. Je ne crois pas que ça a été annoncé. Je ne sais pas, moi je l'ai su parce que, bon, évidemment, c'est ma voisine. Donc... Okay. Une question indiscrète, c'est-tu un couple? Je ne sais pas si elle veut qu'on le sache. Ben, je vais y poser la question. Faudrait que je lui demande. En rougissant comme un mort petit peu. Vous venez souvent au Café Terrasse? De temps en temps, j'aime bien les chansons. Passer sur la bouche. Ah ben, je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup. Bye bye. Tout de princesse arrête un peu tantine. J'ai pas tellement l'étoffe du satin. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence, et je ne suis pas chaud pour tâter la paille humide du cachot. Mais croque-note, je dirai rien à personne. N'insiste pas, fit-il d'un ton railleur. D'abord, tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par. Une grande. Alors princesse est partie en courant. Alors princesse est partie en pleurant. Chagrine qu'on ait boudé son offrande. Y a pas eu détournement de mineur. Le croque-note au matin de bonne heure, à l'anglaise a filé dans la charrette. Des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qui le regrette. Il a le sentiment qui le regrette. Bonjour. Allô. Ça vous arrive souvent de faire des spectacles au Café Centre d'Art? Non, c'est la troisième fois cet été. OK. Juste une question. J'ai posé une question tantôt à une dame qui vous connaissait, mais elle a posé me dire si vous étiez un couple. Êtes-vous un couple? Oui. Okay. Oui. OK. Suzanne Tremblay? Daniel Lapierre. OK, c'est pas Suzanne Tremblay-Lapierre. Non! J'ai pas l'âge pour avoir deux noms de famille. Mais écoutez, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites, OK? Et puis, ben, longue carrière. As-tu déjà fait un spectacle bénéfice au Lion d'Or? Oui, c'est ça, à chaque année. C'est la 10e année cette année. OK. Au bénéfice du cancer de l'ovaire. OK. On est en compagnie de François Bourassa au piano. Normand Guilbeault à la contrebasse, Pierre Tanguay à la batterie, Daniel Lapierre à la guitare, Jean Derome au saxophone et André Leroux au saxophone. C'est vraiment des top jazzmen ici. Et tous les profits vont pour le cancer de l'ovaire. Et la prochaine, c'est quand? 17 novembre. Merci. Bonjour. Vous travaillez ici? Oui, je suis agent de bureau pour la ville de Boucherville. Ah, OK. J'aurais quelques questions. Ça fait-tu longtemps que ça existe, le café ici, puis la terrasse? Le café, ça fait environ un an. La terrasse, c'est la première année qu'on avait ça, en fait. C'est un tout nouveau concept. On a aussi un piano qu'on a installé, puis on a aussi des concerts de temps en temps. La fin de semaine, des artistes qui viennent chanter une chanson environ une heure ou deux. Ben merci beaucoup, t'es bien gentil. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. A little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream.